Moi, salut nous dans le nom de Jésus et bienvenue dans l'étude pour Aswea. Une étude extraordinaire sous thème ça, la source et la valeur de la foi. La source et la valeur de la foi. La foi gagne un côté le sorti et la foi gagne une valeur extraordinaire. Nous allons explorer deux bagages ça, Aswea. Et bien, c'est sûr que ça va servir à compréhension. C'est sûr que ça va porter un peu de clarté pour vous sous question de la foi. Ça nous prend parler à soi, c'est extrêmement important et c'est bagage que vous-même vous devez tendre, moins doué comprendre, moins doué partager. Et bien c'est comme ça vous-même si vous tendez, vous va partager à autant de amis. Étude ça, la source et la valeur de la foi. Avant même de continuer, et bien à soi on a pu démarrer tout sur une note qui triste. Parce que nous perdu un membre dans la famille là, qui c'est Kesnel Charles côté n'a présenté et condoléances nous à l'église communauté de refuge surtout dans canapé vert et bien qui perdu un être cher. Nous saluer et porter présenter condoléances nous à sœur Kitlen non seulement lui-même mais à toute reste famille pourquoi pas. Et toute la famille Charles, eh bien, nous-mêmes tous, nous sentis, nous attristés par perte ça et nous partager peinant encore une fois que le Seigneur est capable de continuer à jeter grâce et faveur sur la vie toute famille hein, et encourager famille ça dans le reste joli même. Il va vivre sur la terre et il va assez de courage pour assister au dernier moment, papa, que vous avez perdu. Et ça qui perd du papa, ça qui perd du mari, sœur Joulaine, qui perd du mari, et ça qui perd du zami tout, parce que Kesnel c'était un zami. Donc que le Seigneur qui te connaît qui joue chaque monde a quitté la terre là, et bien que lui-même lui encourage nous et permette que nous sommes capables de continuer route là. On a parlé à soi de la source de la foi et la valeur de la foi. Moi, quoi, étude ça a bien tombé, et c'est vrai, ou capable triste. Mais il est important pour moi-même ensemble avec vous focus assez sur l'importance de la foi ou du moins quand on a parlé de la source et la valeur de la foi. Et là, on rappelle de qui ça nous gagne pour nous partager avec vous dans la série ça. Nous gagne pour nous partager avec vous et la vraie définition de la foi. Vous rappelez semaine dernière nous t'ai parlé de la vraie définition de la foi et nous pral faire une récapitulation de définition de la foi pour vous tout à l'heure mais nous gè pour nous non seulement définition de la foi la source la valeur de la foi que n'a pouvait assoir et bien n'a wè tout nous gè pour nous wè alors la croissance de la foi nous gè pour nous wè marchons par la foi, nous marchons par la foi. Ça signifie, ça veut dire même, et non par, nous marchons par la foi et non par la vue, tant qu'on dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Et nous avons pour nous tout, nous avons pour nous les effets de la foi. La foi a des effets. Maintenant, nous, à titre de rappel, nous avons rappelé où qui ça la foi est. Nous songeons dans le jour passé, nous avons parlé de définition de la foi. Dimanche là, nous t'ouais que les citoyens du royaume, yo même yo doivent vivre par la foi. Vous citoyens royaume yo, c'est petit bon Dieu, ouais, les enfants de Dieu, moun qui accepté Jésus-Christ, eh bien tout moun qui croit dans Seigneur Jésus-Christ, qui accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel yo, yo doivent vivre par la foi. La Bible même recommande nous pour nous vivre par la foi. Maintenant, qui ça la foi est à titre de rappel, la foi nous rappelez-nous, peut-être pour un pile monde, eh bien, la foi est une confiance totale en quelqu'un ou en quelque chose. Donc, la foi, c'est confiance qu'on gagne dans un bagay ou bien dans un monde. Donc, c'est ça la foi, ça veut dire, ou fait monde ça, une confiance totale. Donc, ça, c'est comme ça, Oxford Dictionary qui définit la foi. Mais la foi, selon la Bible, il y a une définition de la foi, c'est la foi est en général la persuasion de l'esprit qu'une certaine affirmation est vraie. Ouais, qu'une certaine affirmation est vraie. La foi est en général la persuasion de l'esprit qu'une certaine affirmation est vraie.
Donc, selon Philippiens chapitre 1, le verset 27, 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 13, eh bien, la foi est en général la persuasion de l'esprit qu'une certaine affirmation est vraie. Autre définition de la foi, c'est que la foi, c'est croire et avoir confiance en Dieu. L'ouais et ou gain confiance dans bon Dieu. La foi, c'est croire et avoir confiance en Dieu. Autre définition de la foi, à titre de rappel toujours, la foi est un moyen de connaître Dieu. La foi, c'est moyen ou gain pour connaître bon Dieu. Ou pas ou elle, ou pas comme elle, ou pas qu'à toucher lui, ni pas physique. La Bible dit Dieu est esprit. Il faut que moun kap adorer bon Dieu, c'est pour adorer lui en esprit et en vérité. Donc la foi est un moyen sûr que m'est capable d'ajouter, est un moyen sûr de connaître Dieu. La foi aussi est la capacité de croire en Dieu. La foi est la capacité de croire en Dieu. Voyez-vous, c'est une définition extraordinaire. C'est la capacité, c'est la capacité que Dieu vous donne. Ouais, c'est capacité que bon Dieu ba ou pour croire en lui, pour marcher avec elle, pour vivre, c'est par la foi. Et si m'a rappelé ou quelques définitions toujours, hein, la foi, non seulement la capacité de croire en Dieu, mais aussi la foi, c'est être sûr de ce que nous espérons et certain de ce que nous ne voyons pas. Ça, c'est la définition qui chita dans Hébreux chapitre 11, le verset 1er. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voyez-vous, mais texte NIV, qui c'est New International Version, eh bien, lui-même, il prend le métier comme ça pour le dire. La foi, c'est être sûr de ce que nous espérons et certain de ce que nous ne voyons pas. Et c'est un aspect extraordinaire. Ça veut dire pas well, mais moi reconnaître que li vrai. Pas obligé ouais un bagaille pour me connaître le vrai, mes bien-aimés. C'est extrêmement important. Donc, il y a un aspect qui est très important, ça vous pas oublier, c'est à titre de rappel, nous pas entrer dans ça pas aujourd'hui, on a pour aujourd'hui la source et la valeur de la foi. Ça c'est définition, mais nous devons accentuer sur définition ça qui est extrêmement important. Il y a des choses que je vais dire mercredi, je vais continuer comme ça. Ça me dit là, il y a nouveau, comparativement à ça me dit mercredi et dimanche. La foi, pas oublier, c'est être sûr de ce que nous espérons. Ça m'espérer, moi sûr de lui, c'est être sûr de ce que nous espérons. Tenez ça. Et certain de ce que nous ne voyons pas. Ou certain. De malgré pas ouais bagay là mais certains sont espérés la fête parce que c'est avec bon Dieu Abdi. Ça vient extrêmement important. Bon nous yon principe qui existait dans la foi et écrit ça autant nous capable parce que m'a mettre le sous-screen non et ce sont des bagages qui viennent à la dernière minute. Tenez ça. La foi c'est être sûr de ce que nous espérons et certain de ce que nous ne voyons pas. Maintenant yon bagay que m'doué comprendre kounya, m'pa ka kwe yon bagay yon pa jam parle de li. Ça c'est yon principe de la foi. Mwen met pa wel, mais fò m'tande yon parle de li. Ou pa ka kwe yon bagay que yon pa tande parle. Gen de pays qui pa cite, peut-être sou pal cherche li, soit dans géographie, et sou comprenne sa m'doulan la, dans géographie du monde, ouais, sou pal cherche li. Ou bien pas de jambes de parler de lui, ou pas connaître s'il existait. Ou pas connaître s'il existait. Ouais, si ou pas de jambes l'île yon côté, ou pas de jambes tande yon moun a parler de ça, ou pas capable quel parce qu'ou pas ka kwè ça ou pas jambes tande de lui. Maintenant, pas confondre yon bagay ko tande parler de lui ak yon bagay ko pa wè. Mwen ka tande parler de yon bagay, même pa wèl. On nous prend par exemple, bon Dieu. Nous tendons parler de Dieu à travers la Bible, à travers la nature, à travers les prédications, à travers les études bibliques. Nous tendons parler de Dieu. Nous voyons toutes les œuvres de Dieu. Nous voyons dans la nature. Nous voyons ciel là, nous voyons terre, nous voyons pieds bois, nous voyons créatures. Bon Dieu, nous voyons monde, bon Dieu créé. Donc, l'important, ça me croit, faut que nous tendons parler de lui. Je vais entrer dans la Bible avant pour vous montrer ce qui ça.
cette question de source de la foi pour capable comprendre plus bien ça m'a parlé. Mais fais attention. On pas qu'à croire un bagage. On pas attendre parler de lui. Bon beaucoup gens m'entendent, ça veut dire m'pas compte s'il existait. Bah wel, m'pas attendre. Maintenant, l'autre aspect c'est que moi capable wel, mais m'entendais parler de lui, donc le fait que m'entendais parler de lui, c'est vrai. Il y a monde qui là qui fait expérience avec bon Dieu. Mon pas bon Dieu physiquement tant qu'ou même là. Ou pas manger, pas toucher. La Bible dit Dieu est esprit, mais on entendait parler de Dieu. Ou gagné non seulement entendait parler de Dieu, mais on fait expérience avec bon Dieu tout malgré ou pas elle. Donc kounya ou quoi certainement. Yes, gagné au bon Dieu qui existait. Donc on nous avancer la source et la valeur de la foi. La source et la valeur de la foi. Extrêmement important. Et pas oublier c'est ça n'a point à soir. Maintenant, la source de la foi avant tout. D'après la source de la foi, par la suite, nous parlons la valeur de la foi. La source de la foi. On nous parler de la source de la foi. La Bible, dans Hébreux chapitre 12, le verset 2, vous capable de virer la Bible là-dedans. Hébreux chapitre 12, verset 2. C'est un texte assez intéressant que moi, ensemble avec vous, dois garder. Hébreux chapitre 12, verset 2. Et ça le dit. Il dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, mépriser l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Hébreux, chapitre 12, le verset 2. Dans verset 3, il dit comme ça, « Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs afin que nous ne le lassions point, l'âme découragée. » Important. Ayant les yeux fixés sur Jésus, notez ça, dans verset 2. Ayant les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Voyez-vous, ce texte lié assez important, tandis qu'on a parlé de la source et de la foi, de la source de la foi. Pour qui ça? Parce que texte ça en hébreu, lié écrit après des dizaines d'années, Jésus fin monté. Après des dizaines d'années. Donc l'auteur de l'Épître aux Hébreux a dit nous consacrer, nous devons gagner nous. Fixé sur Jésus. Mais auteur qui soit parlé comme ça, Jésus pas sous la terre encore. Jésus allait. Pendant que Dieu nous fixé sur Jésus, sous fait lecture verset avant, dans verset 1 par exemple, il dit comme ça que nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée, de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit nous consacrer pour nous courir dans la carrière qui est ouverte devant nous, dans le champ de travail qui est ouvert devant nous, dans la course, ou capable de dire comme ça, dans la course qui ouvre devant nous. Le livre dans verset 2, il dit nous consacrer dans la carrière, ça a pour nous courir, mais ça a pour nous faire qu'on y a, pendant la courir, c'est pour nous qu'un yeux nous fixer sur qui est encore. Sur les yeux fixés sur Jésus. Qui ça Jésus est selon le texte? Qui ça le dit Jésus encore? Jésus est le... Ayant les regards fixés sur qui est encore? Sur Jésus. Le qui? Qui ça Jésus est encore? Le chef et le consommateur de la foi qui, en vue de la joie qui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Extrêmement important, d'arrêter mon Québec texte l'ouvrir pour comprendre ça. Maintenant,
sous le texte ça, seulement dans le texte 8 secondes qui dit consommateur, ou bien doit pas fin comprendre texte ça. Ou comprendre il dit chef, mais faut aller chercher comprendre qu'il y a pour qui ça le dit chef. Ouais, pour qui ça le dit chef est le consommateur de la foi. Bon, mais nous comprendre ça rapidement. L'important pour moi reconnaître que la foi vient de s'entendre, mais s'entendre qui sortit de la parole de Dieu. Nous parlons dans le texte tout à l'heure. Côté lui, second dit parole de Dieu, mais le texte original là est plus passé 100 fois. Le texte traduit ce qu'on entend de la parole de Christ. Nous avons privé sur ça tout à l'heure. Ça, c'est le premier bagage pour nous reconnaître. C'est que la foi vient de s'entendre. Mais qu'on précision dans ce texte. Sortant de qui sortit, qui côté encore? De la parole de Dieu. Ça, c'est source, la foi. C'est là la foi sortie. Bon, continuer suivant le texte que nous souhaitons, pour nous capables d'aller en petit genre méthodique. La Bible dit dans 2 Timothée 3, verset 16, que un peu le monde connaît, il dit toute écriture est inspiré de Dieu. Pour qui sa parole ça ou là? Il dit, texte a continué, il dit, il est utile pour enseigner, un, pour convaincre, deux, pour corriger, trois, et pour instruire, dans quoi? Dans la justice, peut-être qui sa bagaille ça ou lui fait, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Texte a tout sous l'île seulement en français, ou bien doit pas comprendre tout ça texte a dit, mais texte anglais après dit so that the servant of God may thoroughly equipped for every good work. Pour servant bon Dieu yo capable équipé pour capable gain outil valable, une des outils yo c'est la foi, parce que la foi vient de s'entendre. Mais ça m'entendait qui sortit dans la parole de Dieu. Donc, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Toute écriture, ça veut dire la parole de Dieu, yo inspiré de Dieu. C'est l'inspiration de Dieu qui est utile moi, pour enseigner. Qui l'a pour convaincre moi? Qui l'a pour corriger? Qui l'a pour instruire dans la justice pour que je sois capable d'équiper valablement et propre à toute bonne œuvre? Petit bon Dieu, on nous étudie. On nous étudie. La Bible dit dans Jean chapitre 16, verset 13, la Bible dit, lorsque Jésus a parlé, Jésus dit, lorsque Saint-Esprit a venu, lorsqu'il dit, quand le Consolateur sera venu, c'est le Saint-Esprit, il dit, lorsque Saint-Esprit a venu, mais ça le va faire. Il y aurait l'esprit de vérité, soulignez-moi ça, c'est l'esprit de vérité, et puis mais ça le dit, il dit, il va conduire nous dans toute vérité, puisque c'est l'esprit de vérité lié. Il va conduire nous dans toute vérité, car il n'a pas parlé de lui-même, mais l'a dit, ça t'étendait de moi, et l'a annoncé nous, bagaille qui vient pour venir. C'est là, moi-même, ensemble avec vous, besoin bien comprendre cette question de la foi, pour qui ça? Parce que pour me fonctionner avec bon Dieu, l'élément que j'ai, c'est la foi. Et côté la foi m'doué sorti, c'est dans la parole de Dieu. Pas oublier texte ça, non, dans Romains chapitre 10, le verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, mais ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pour me fonctionner avec mon Dieu, pour m'équiper, l'imandem pour me gagner la foi. Pour me croire dans sa pralvini bientôt, que la parole de Dieu dit, l'imandem la foi, parce que bagay sa yo gen pou yo vini, même pas wè yo, mboko wè yo, et puis mkwè nan bagay ki gen pou vini, yon la de yo, c'est le retour de Jésus. L'imando la foi pour kwè ça, l'imando la foi pour comprendre ça, l'imando la foi pour accepter ça. Extrêmement important.
Li mande la foi. Maintenant, si nous retournons dans le texte Hébreux chapitre 12, l'Ibral dit comme ça que Jésus-Christ est le chef et le consommateur de la foi. Ce mot ici, dans le texte grec là, l'Ibral signifie capitaine aussi. L'Ibral signifie prince. L'Ibral signifie chef, tant qu'on voit le texte du second morceau de lire. L'Ibral signifie chef, l'Ibral signifie prince, l'Ibral signifie capitaine. Ça veut dire, c'est bon Dieu qui a gouverné la foi nous. C'est Christ qui capitaine la foi nous. C'est Christ, la foi nous doit reposer sous Christ. Ça doit base la foi nous, c'est la parole de Christ, c'est la parole de Dieu. C'est raison ça fait lorsque Paul a parlé aux gens de Rome pour le dire au consacré, la foi vini de s'entendait, mais s'entendait, ça qui sortit dans la parole de Dieu. Très important. C'est pour ça que Femme Pagui doit enseigner l'autre bagaille que la parole de Dieu. Pour qui ça? Parce que c'est la parole de Dieu qui a fait la foi grandir. C'est la parole de Dieu qui a augmenté la foi. Nous avons augmenté comment la foi a augmenté. Puis devant, mais c'est la parole de Dieu qui a fait comprendre bon Dieu et gain la foi. Qui raison fait étude biblique li plus important passer même yon service? C'est parce que c'est là moi ka chita pour m'entrer profondément dans la parole de Dieu pour l'esprit me l'ouvrir. Pour compréhension m'ouvrir pour me capable servir bon Dieu puis bien. Mais bien évidemment pas qu'à servir bon Dieu sans la foi. Ça n'existe pas. Ou pas marcher avec un monde pour pas croire dans lui. Bon Dieu tellement pas d'accord marcher avec monde qui pas croire dans lui ou bien qui gagne doute de lui. Nous songer l'histoire de Thomas. Thomas dit ah tout autant m'ba ouais m'ba croire moi-même. Jésus show up non room just pour Thomas. Jésus tourne juste pour Thomas. Jésus paraît juste pour Thomas. Il dit Thomas, et le monde qui croit, et qui paraît. Et puis, il dit Thomas, même à clou. C'est moi-même qui ressuscité. Gardez mon côté moi. Thomas dit, bon, qu'on y a un croit, c'est vrai. Bon, on s'est passé. Dans la déclaration de Jésus avec Thomas, il dit clair que je ne vais pas marcher avec un monde. Qui pas croire 100%. Jésus obligé de tourner pour Thomas pour Thomas qui a croire 100% parce que Jésus pas qu'a gain disciple qui pas croire 100%. Jésus pas qu'a fonctionner, pas oublier la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, soit le verset 6, il est impossible de lui être agréable, sans la foi, il est impossible pour agréable avec bon Dieu. Donc ça veut dire que ça me besoin pour me fonctionner avec bon Dieu, c'est la foi. Ça me besoin pour marcher avec bon Dieu, c'est la foi. Capitaine la vie moi c'est Christ. Qui est-ce qui a gouverné la foi moi? C'est Jésus-Christ. Texte ça dans Hébreux il dit il est le chef et le consommateur de la foi. Que mot grec après il dit le prince de la foi, le chef de la foi, le capitaine de notre foi. Donc petit bon Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu qu'on y a doué important pour qui ça? Parce que la foi, c'est de ça le vini. C'est de la parole de Dieu le vini. Mais ça, Paul pral dit à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 2, du verset 1er, les deux premiers versets, verset 1er et verset 2. Paul pral dit à Timothée comme ça. Il pral dit, toi donc, mon enfant, fortifie-toi de la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, ça pour faire qu'on y a, confie-le à des hommes fidèles qui sont capables, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Mes amis, bagay ça, son bagay extraordinaire que Paul déclare là. Il dit, Timothée, qu'on ça pour faire? Parole ça, autant de ma prêcher, ou t'étendez dans bouche moi cap déclarer. Là en prison son paquet de bande moun nan ou même pran yo enseigner yo ak moun qui capable pran yo y a l'enseigner à l'autre. Mais comment Paul fait dit bagay ça? Mais c'est exactement ça Jésus te dit dans Matthieu chapitre 28
verset 19-20. Allez, faites de toutes les nations, qui sont encore des disciples, hein, les baptisants, qui sont au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20, ça le dit encore. Enseignez-yo pour yo faire volonté moins. Enseignez-leur à faire ma volonté. Mais le texte a précisé pour le dire, enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Enseignez-yo tout ça que j'ai enseigné nous-mêmes. Pour qui ça même Jésus? Parce que la foi, c'est sous ça qu'elle doit baser. C'est sous ça enseigner qu'elle doit baser. C'est sous ça moi dire la foi où doit baser. Parce que l'homme qui croit dans moi, automatiquement, il croit dans la parole moi. La foi, Paul dit, enseigne, prends bagage ça, enseignez-le à moun qui est capable, qui apprend à enseigner à l'autre monde. Ouais, mission moi, on va aujourd'hui, c'est pour nous enseigner l'autre yo pour la foi tout capable de grandir dans Christ. Et pour nous enseigner pour être capable de gagner la foi en Jésus. C'est pour nous enseigner, mes bien-aimés. Et c'est pour ça que moi-même avec vous, nous devons apprendre bien pour nous enseigner bien. Pour qui ça? Parce que ou pas kabay son bagay. Hein? Ou pas kabay son bagay. Je dis à qui problème qui vient dans le monde? Plus passé, nous avons environ 5000 religions à travers le monde. Ouais, plus passé 5000 religions à travers le monde. Côté bagay ça a sorti, c'est parce que chaque monde bon bagay yo kwe. À partir de ce moment, on peut le comprendre avec moi que ça yo kwe yo, yo ça yo kwe yo, c'est la foi yo, c'est souli la foi yo chita. Souda quand c'est Mahomet qui prophète, c'est souli la donne la foi chita. Souda quand c'est Jésus qui roi des rois, et bien c'est la donne la foi chita. Apôtre Paul dit, prends-yo, enseignez-yo à moun qui capable, enseignez-yo à l'autre moun. Mission, hein, c'est que ça m'entende là, moi dois prendre pour m'enseigner à l'autre moun qui pour prendre tout pour enseigner à l'autre moun. Well, Hébreux chapitre 12, lorsque, m'a retourné dans Hébreux chapitre 12, hein, il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Nous-mêmes qui n'en coussent la foi, nous-mêmes qui marchons avec le Seigneur, nous n'en coussent. Nous devons, mes bien-aimés, reconnaître que yon des outils que nous gagnons pour nous courir dans coup ça, c'est la foi liée. C'est la foi liée. Et là, il arrive dans verset 2a, c'est ça le pral dit, encore la question, et pour montrer que Jésus, c'est lui-même qui est source de la foi, eh bien, il pral montrer nous clair que, il dit nous que Jésus, c'est le chef de la foi. Maintenant, Jésus décrit ici, attendez ça, dans Hébreux chapitre 12, verset 2, description qu'il a là, il décrit Jésus comme moun qui est capable de perfectionner la foi nous, comme chef la foi nous. Mais aussi comme moun qui capable fini rendre la foi nous raffiner petit bon Dieu auteur la Bible va montrer nous que Jésus c'est l'auteur de la foi en un mot c'est la source de la foi yo moun qui ont auteur yon bagay ça veut dire c'est lui qui initie li c'est lui qui bon, leur dit auteur livre ça c'est lui qui écrit li c'est moun ça qui écrit livre là c'est lui qui vient avec lui. Donc, là, il parle de auteur de la foi. Jésus, c'est l'auteur de la foi. Jésus, c'est le chef de la foi. Jésus, c'est le capitaine de notre foi. Eh bien, c'est Jésus qui base la foi, nous. C'est Jésus qui source la foi, nous. Pas oublier plus où elle t'a parlé de la foi vient de ce qu'on entend dans Romains chapitre 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais attendez bien. Qui ça, Jean premier, pour le dire moi-même ensemble avec vous? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Mais le livre Bible pour le dire consacré, la parole prend forme chair et elle vient habiter parmi nous. De qui est-ce que ça parle, Kounia? De qui est-ce que ça parle? La parole de Jésus l'a parlé. Ouais? Jésus même, c'est la parole personnifiée. Ouais? Qui personnifiée, qui vient habiter parmi nous, la foi nous c'est sous ça elle doit reposer. Si nous tournons qu'on y a dans Romains chapitre 10 verset 17 là, lorsqu'elle dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ.
C'est de la parole de Christ. Donc tout ça, Jésus-Christ dit, tout ça le dit, puisque Jésus, c'est la parole personnifiée. Mais c'est lui pour moi, c'est sous lui la foi me doit reposer. C'est sous lui la foi me doit reposer. La foi vient de s'entendre, mais s'entendre qui sortit dans la parole de Dieu. Donc c'est bon Dieu qui doit, c'est Jésus alors qui doit contrôler la foi. La foi doit reposer sur Christ, le ressuscité du troisième jour, qui te prend la croix pour nous, qui est entré dans la tombe, qui est ressuscité, qui est à la droite du Père qu'on y a. Pour nous, Jean Pral dit comme ça que qu'on y a lié à la droite du Père, la plaider pour nous. Il dit, petits enfants, si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père. Dans 1 Jean 1, verset 9. Voyez-vous, la foi nous doit reposer sur Jésus. Sous la foi, c'est Jésus. Donc, vous pouvez comprendre qu'on y a texte dans Hébreu, chapitre 11, lorsqu'il dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et puis, il continue, au verset 2, il dit comme ça que, donc, on dit, dimanche, il dit, pour l'avoir possédé, parce que il y a des gens qui te possédé, ça aurait la foi. Et puis, il dit, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ils ont parlé de anciens, ils ont dit, bon bagaille de anciens, parce que vous avez qui ça? Parce que vous avez la foi. Parce que vous avez la foi. Et c'est ça que je vais parler avant dimanche. Trace où doit quitter à son trace qui est basée sur la foi. Ça veut dire son trace qui fait bon Dieu plaisir. Ça aide à me comprendre. Ça aide à me comprendre. Où, avant de mourir, même si tu as 100 millions de dollars qui étaient la banque, ce n'est pas ça qui fait bon Dieu plaisir. Même si tu as quitté 25 et demi, ce n'est pas ça qui fait bon Dieu plaisir. Mais est-ce qu'on quitte une trace de la foi? La Bible claire, oui. Il n'a pas dit, monsieur, ça, il a été parlé de vous, il a été un témoignage favorable parce que vous avez un pile bête, vous avez un pile terre, vous avez un pile caille, vous avez un jet. Ce n'est pas ça qui fait vous parler de monsieur, non, il dit. Il dit comme ça. Parce que monsieur, ça, vous avez la foi, vous recevez un témoignage favorable. Ça, c'est extraordinaire. La Bible parle avec ma verre, là, qu'on y a. La Bible claire pour le dire. La Bible va poser nos questions. Qui trace n'a pas quitté? Qui trace n'a pas quitté? Est-ce qu'il a parlé de nous comme femmes de foi? Comme hommes de foi? Lorsque nous-mêmes, nous va quitter. Ah, nous d'accord avec moi, même des gens qui disent accepter Jésus-Christ, même petit, tu n'as pas un bon témoignage de aujourd'hui. Anyway. Dans verset 3, la Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. La Bible dit, bon Dieu parlait, le monde venait à l'existence, mes bien-aimés. Il parlait, c'est par la foi que nous reconnaissons ça. Est-ce que vous avez inventé là, elle t'a fait ça? Mais non. Mais non, nous pas là. Mais nous reconnaître, yes, c'est bon Dieu qui fait bagaille ça. Nous reconnaître, nous quoi, c'est bon Dieu qui créait le monde à toute sa cladonne, qui formait le monde, qui met ciel là dans position, le mettait là, qui met soleil là dans position, le mettait là. S'il te mettait l'outil craspi bas, la tête a grillé, mes bien-aimés. S'il te mettait l'outil craspi haut, la tête a ou t'as vu une frozen, ça veut dire ou t'as tout des glaces, ou pas qu'à vivre moi ici, tellement la tête a glacé. Il mettait la position exacte côté moi-même ensemble avec vous. Mais ou quoi? Moi-même, moi quoi, ou quoi, c'est là, et bon Dieu qui place le soleil là, côté le place là. C'est lui qui place les étoiles là, côté le place là. Nous sommes la fois dernière, nous avons dit ça, il y a une question de monde qui dit comme ça que, et où les étoiles filées, hein? Yo les étoiles filées, bah, ça. Mais, attendez bien, une étoile qui grand passe la terre. Une étoile qui fait n'importe 10 fois la terre, mais bien aimé. Tellement grand. Donc, une étoile pas qu'à filer, ça veut dire, si une étoile t'a filé, tombé sur la terre, t'a englouti planète Terre là. Donc, ça c'est des bagages que moi et moi, ensemble avec vous, t'es content de, et nous t'es quoi ouvrir, vous comprenez, pas oublier, non. L'un t'a commencé, nous t'es dit, consacré, ou pas qu'à quoi, bagage, ou pas tendez parler de lui. Faut tendez, au moins faut tendez parler de lui. Maintenant, bon Dieu, placez planète, yo, côté yo placé, hein. Et si une t'a décollé, tombé, la terre engloutie.
Mais nous reconnaître faut bon bon Dieu pour faire ça. Depuis longtemps pour jusqu'à présent, il y a des scientifiques qui a cherché à dévier ça fait moun quoi l'autre bagaille, qui a fait connait même ou sorti dans chimpanzé. Mais nous reconnaître que nous-mêmes nous créés à l'image de Dieu. Combien monde qui croit ça là tout hein? Nous créés à l'image de Dieu. La Bible claire vous le dit comme ça que Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. C'est ça me croit moi-même. Sous un singe, sous un chimpanzé, pas ni cousin ni race lié. D'ailleurs, moi-même tellement beau garçon hier, Jésus me semblait. Donc, vous comprenez? Bah non, mon zaro dit tout. Vous comprenez? C'est pas la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de des choses visibles. Ça nous voit, il n'a pas fait des choses visibles. Bon Dieu, relève de l'invisible et vous venez manifester dans le visible, mes bien-aimés. Bon Dieu, relève et vous formez. Il dit. Et la chose, alléluia, et la chose arrive. Donc c'est extrêmement important, lorsque nous parlons de la foi, mais bien aimé, ça qui peut faire nous solides là, c'est la foi liée. Ça qui peut faire nous être fermes, c'est la foi liée. Ça qui peut faire quelques circonstances, non, oui, bah, ça au pied devant, quelques circonstances qui viennent sur route, qui t'a même voulu faire péter courir pour camper jam, c'est la foi liée. Parce que l'on croit dans mon Dieu, il y a des choses qui va venir, qui va faire courir. Lorsque dans mon Dieu, la foi, lorsque la foi jambe dans mon Dieu, ou qu'a penché tant qu'on roseau, mais on va pleuver quand même. On va pleuver quand même. C'est la foi qui vous fait camper. Ouais. Donc, la source de la foi. Et si on a parlé de source de la foi, nous devons parler de la valeur de la foi que nous avons privée là tout à l'heure. Mais je voulais faire comprendre que source la foi, il est déterminé. Qualité foi ou tout. Sous la foi déterminée qualité foi. Ou. Ça va vous dire. Sous sa foi ou chita. Ah. Bon, alors, tout le monde qui connaît. Là, on a acheté de l'eau dans la bouteille. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont des effets. Il y a des gens qui ont des effets. Il y a des gens qui ne peuvent pas les effets. Il y a des gens qui ont des effets. Je ne peux pas les effets. Je ne peux pas les effets. Donc, je vais dire un bagaille. Ça fait ou pas remettre de l'eau ça, c'est à cause de côté le sorti surtout. À cause de côté le sorti a, il y a un goût ou elle gagne. À cause de côté le sorti a. Là nous t'es en dehors, alors les moi m'étais en dehors, vous comprenez? Gagne quelque source. Gagne quelque source, pas même mal prendre de l'eau là-dedans. De l'eau source là pas gagne même goût à de l'eau rivière, il va vrai petit bon Dieu. Frère, quand il est en dehors tout, eh bien, nous parler nous ensemble là avec moun ça oui boy ici en fait. Vous comprenez? Attendez. De l'eau sous ça, pas même goût à de l'eau rivière. Ça qui passe, il n'y a pas de même côté. Et même, il dit nous bagaille. Ça qui fait, il n'y a pas même goût. C'est parce que il n'y a pas sorti dans la même source. Qualité de l'eau, ça n'a pas même genre qualité, ça, parce que il n'y a pas sorti même côté. Et bien, c'est ça. Qualité, la foi, dépend de ce qui est la foi au chita. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. Donc, la foi, qualité la foi dépend de ce qui ça la foi chita. Lorsque la Bible dit comme ça dans Hébreux chapitre 11, verset 1, il dit comme ça que oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tenez ça. Ferme assurance des choses que, et une démonstration de celles qu'on espère. Ferme assurance. Il pourra le montrer que bon bagaille qui kembe la foi. Et pour ça que fait texte anglais, il dit it's the substance. Substance, c'est ça qui kembe la foi. Sous ça la foi chita, sous ça la foi reposée. La foi ou de reposer sur Christ. Raison que fait moi quoi bagay mba même moi. Raison que fait moi quoi lorsque bon Dieu dit m'la font bagay. Moi quoi là malgré m'pa ouel là, c'est parce que la foi m'chita sous Christ. Et l'homme dit la foi m'chita sous Christ. Christ c'est la parole c'est la vérité, la foi bien fondée mes bien-aimés. Donc la foi ou. La qualité de votre foi dépend de source la foi. Parce que là où un bagage n'est pas bon, il dépend de qui côté il sorti. Mais bien aimé, il dépend de qui côté il sorti. On nous continue à parler, on continue à avancer dans la question source de la foi. La parole de Dieu, mes bien aimés, c'est la source de la foi. Pas oublier, non, montrez-nous que Christ, c'est la parole. C'est la parole personnifiée.
Donc, le fait que moi-même, ensemble avec vous, n'attendez la parole de Dieu, ça pour rendre la foi nous vienne ferme, c'est la parole liée. La foi pas nourrie. Si vous avez la foi à manger, vous n'avez pas besoin d'acheter cornflakes, maïmoulin, pois du riz, chicken. La foi pas manger, bah, ça. La foi, ça n'a pas qu'à faire la foi grandir. Au contraire, si vous mangez en pile, vous avez fait le corps grandir. Le corps a vu même grosseur. Mais la foi a prêté, mec. Parce qu'on moun gros, ça va vous dire qu'il y a pile la foi. Ah, les gars, vous comprenez, c'est la foi. Et deux fois, ça m'a parlé. Et pas deux fois F-O-I-E, m'a parlé deux fois F-O-I. La foi, ça nourrit, non seulement source, c'est la parole, ça nourrit la foi, tout c'est la parole. Alors, on doit faire un petit temps pour m'enseigner sur ça. Toute plante, moi, ensemble avec vous, tout ça, vous avez mangé, tout sorti dans la terre. Qui raison fait ces bagages qui sortent dans la terre ou doit manger? Qui raison fait ça? C'est parce que quand ça, c'est la terre liée tout, et telle liée. Ah, on connaît une belle femme, mais c'est toi. On connaît un beau garçon, c'est vrai, ou bien avant, mais c'est toi. Ou la vite, ou saute la vite, pas de problème. La terre, le fait que quand ça, c'est telle liée, ça pour nourrir, c'est ça qui saute dans la terre tout. Et bon Dieu qui fait ça comme ça, oui. Et ça ne faut pas doué confondre l'homme formé avec l'homme créé, c'est deux bagages différents. L'homme créé en dans l'homme formé. Dieu crée à l'homme à son image. Si vous posez la question, qu'est-ce que l'image de Dieu? Mais Dieu est esprit. Jean chapitre 4, verset 24, va le répondre. Il va dire Dieu est esprit, il faut que celui-là adore l'esprit. Donc Dieu c'est esprit. Si la Bible dit comme ça que bon Dieu crée l'homme à l'image, ça veut dire bon Dieu crée l'homme esprit. Et lorsque bon Dieu va voir l'homme dans le champ de mission, hein, champ de mission c'est la terre. Lorsque bon Dieu peut placer l'homme comme représentant sur la terre, parce que bon Dieu voulait présent sous planète ça que le créé qui est la terre, lorsque bon Dieu voulait présent, il peut prendre l'homme, il peut mettre le corps qui est compatible à côté pour l'homme qui exerce mission, hein, qui c'est la terre. À partir de ce moment, l'homme doit attacher à source. La première source, c'est la source spirituelle. Ou sortir dans bon Dieu, doit être attaché à bon Dieu. Et vous savez que dans Genèse, la Bible va montrer que lorsque bon Dieu finit créer l'homme, premier bagage que bon Dieu fait, la Bible dit comme ça que Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Genèse chapitre 2. Il prend, il place dans le jardin d'Éden. Éden pral signifie présence. Éden pral signifie porte ouverte. Éden pral signifie l'environnement de la présence de Dieu. En un mot, l'homme doit être attaché à sous spirituel qui c'est la présence de Dieu. C'est pour ça que fait depuis l'homme détaché de bon Dieu, le cavol, le adulte, le tout bête. Et puis il va arrêter dans la présence de bon Dieu. Le corps formé, dans Genèse chapitre 2, lorsque la Bible dit comme ça que Dieu forma l'homme, ça veut dire formé à partir de, le forma l'homme de la poussière de la terre, c'est corps physique ça. Corps physique ça, pour nous, ou pas le corps physique là, empêche de servir bon Dieu parfois. Gardez dans l'esprit ou prêt pour le vivre l'église, mais corps a dit, était me coucher, me fatigué. Combien de fois ça qu'on arrive nous Hélène nous Hélène pour aller prêcher mais l'église après arriver et le sort toute maladie qui prend. On va regarder ce Margaret mais ma compte s'il comme ça. Donc oui. Donc petit bon Dieu, qui ça qui passé? Quand ça c'est ça qui saute dans la terre qui pour nous repartir ça. Ça pour nous vrai ou même dans quand d'accord ça vrai ou même là, c'est ça qui saute dans la parole de Dieu pour nous. C'est pour ça que fait petit bon Dieu immédiatement suspend, tendez la parole de Dieu, ou suspend, exposer tête ou à la prédication, à l'étude, à l'enseignement de la parole de Dieu, foi ou à vin baissé, vie spirituelle ou à maigre, ou pas qu'à faire une requête de prière encore, ou te qu'on pas passer une heure de temps, une heure en prière, ça pas de jouer, qu'on y a même 5 minutes ou pas qu'à faire dormir, t'en prend longtemps. À partir de ce moment, c'est oui, ça qui passe. Parce que chaque élément, ça, yo doit être attaché à souci. Yon, c'est la foi pour nourrir. L'autre, là, lui-même, c'est manger qui saute dans la terre pour nourrir. Et m'a dit, soit plutôt meg nan corps, mais pas meg nan foi. Parce que, si moi-même, avant, pour qu'on comprenne la vérité, ça, n'a comprenne c'est ça, nous, avec genoux. Et pour ça, que fait apôtre Paul, pour porter précision, ça, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, il dit, n'a pas marché par la foi et non par la vie. Ça veut dire, n'a pas marché avec. Ça, n'a pas c'est suivant ça nous paraît, suivant ça nous croit, mais nous paraît. C'est pas suivant ça nous ouais avec genoux. Et donc, vous me dit, tout ça ouais à genoux, ou qu'à mettre de l'eau dans genoux tout à l'heure.
tout ça ouais acte qui fait qu'on content kounya ta l'heure ka met tristesse nan corps. Ou fin achete une belle machine ou content ou get excited. Gen moun ki pou ko sout nan la coupe ak nan parking nan fait accident, machine crasé blow. Tout ça ouais fort excité boy ici ka met tristesse nan cœur pita. Mais on compte ça la foi me dit à travers la parole de Dieu dans Psaume 20, il dit quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Ça c'est quoi pour m'quel? Mba wel, mba ka manel, mba ka touchel, mais m'quoi? Là me tourner face moi vers Dieu. Ouh, m'te met problème la tête m'te rempli, moi ka souri même dans mitan problème yo. Ça c'est la foi qui fait ça. La foi vient de s'entendre et s'entendre vient de la parole de Dieu. Extrêmement important, ce texte nous dit Éphésiens chapitre 1 verset 13-14. Il dit en lui vous aussi après avoir entendu la parole de la vérité, soulignez la parole de la vérité. La parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui vous avez cru, il dit en Jésus, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Notez ici, Paul met en précision pour le dire comme ça, que lorsque nous finissons parole de la vérité, à soi, si tu as posé une question, qu'est-ce que la vérité, je suis bien content de poser une question et je suis bien content pour me répondre. Jésus campé dans Jean pour le dire comme ça, que je suis le chemin, la vérité et la vie. À partir de ce moment, la vérité n'est pas même une chose, la vérité est une personne. Qui est-ce qui est vérité encore? C'est Jésus. Mais parallèlement, la vérité, c'est l'information originale. Lorsqu'on parle de la vérité, c'est information originale. Ça veut dire, ce n'est pas une information de deuxième main. Ce n'est pas une information qu'on a fait confiance. Paul Pral dit comme ça, après avoir entendu la parole de la vérité, cela veut dire, après on finit des paroles originales là. Paroles qui sortent dans mon Dieu, c'est ça me prêcher, c'est ça me prôner. Après on finit des paroles qui sortent dans la mon Dieu, eh bien, ou quoi là-dedans? Ou quoi là-dedans? Et puis il dit comme ça, que en lui vous avez cru et vous avez été scellés. Dans lui-même, ou quoi, ça veut dire, il a appliqué. Ça, Paul a dit, les gens d'Éphèse là, il a dit, nous attachons foi, nous à ça, nous tendons, malgré nous pas, well, mais nous comprenons ces vérités liées, et puis nous mettons foi là-dedans, nous quoi. Vous avez cru et vous avez été scellés. C'est comme ça pour nous sauver. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Comment encore? Par le moyen de la foi. Et texte après, il dit, et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Bon, regardez si moun en ligne yo capable de continuer pour un petit bail, hein? Parce que ça allait nous quitter en ligne yo, nous allons. Donc, en tout cas, dans Philippiens, chapitre 1er, on regarde le texte ça, Philippiens, chapitre 1er, verset. Philippiens, chapitre 1er, verset 3 à 6, les versets 3 à 6, où Pralouet ça, Paul Pral dit pour les gens de Philippe, mais ça le dit. Il dit je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Verset 6 dit comme ça. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ou bien pour le jour du Seigneur Jésus-Christ. Texte anglais Abraham dit lui-même, dans l'anglais, il dit, being confident of his, that he who began a good work in you will carry it unto completion until the day of Jesus Christ. Ça veut dire qui ça? Moun qui te commencé œuvre ça dans oua. Bon Dieu ça, la foi ou mettez la foi chita souli. Jésus-Christ ça, la foi ou chita souli. Lorsque ou placez la foi dans lui même qui te commence le travail là dans où, c'est lui même qui a fini le tout. Lui même qui commence à faire de mounouye ou moun qui croit dans lui, mais c'est lui qui a fini le tout. Lui même qui commence à faire ou bon série de bagaille ou raï, kounya, ou terre mais longtemps, mais kounya vin raï, mais c'est Jésus ça qui a continué route là ensemble avec vous. Mais ça doit se faire. Par la foi, mes bien-aimés.
ou doit gagner la foi dans la parole là. Ou doit gagner la foi dans la parole là. Pas oublier non, parole là c'est bon, c'est la Bible dit parole là c'est bon Dieu. La parole là t'es avec bon Dieu, parole là c'est bon Dieu. Donc les mettez confiance dans la parole là, c'est dans bon Dieu mettez confiance moi. Donc ou doit gagner confiance dans la parole là. On a peut-être ou capable pour qui ça? Et pour qui ça? Premièrement, raison que vous devez mettre confiance dans la parole là, c'est parce que la parole là éclaire ou. L'autre verset ça, dans la question de la parole éclairée, verset à pas sous screen, non, Baoul, Somme 119, verset 130 dit comme ça. La révélation de tes paroles éclaire, elle donne de l'intelligence au simple. Ouais, révélation parole ou éclairée, elle baille intelligence à moun qui simple yo. Moun qui simple ici signifie moun qui pas trop comprendre yo, qui pas li nan gros livre, moun qui pas gen chance faire gros classe, li bay yo, li éclairer moun sa yo. C'est raison d'être étude biblique. C'est raison d'être l'enseignement de la parole de Dieu. Ouais, il dit comme ça que la révélation de tes paroles est claire. Mais bien aimé, lorsque ou d'accord était dans l'enseignement de la parole de Dieu, ou d'accord li la Bible ou d'accord attaché à la parole, gen bagay ou pas comprendre ou vinn comprendre nous. La révélation de ta parole, de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple. Psaume 119, verset 130. Donc, raison qui fait ou doit mettre la foi ou la parole là, qui se source la foi. Qui raison me dit encore? Parce que la parole est claire. Deuxième raison, la parole donne la liberté. Façon gros bagay, oui. Dis ça avec nous. On allez non. La parole donne la liberté. Ou qu'a dit ça plus fort, on nous dit ça non. La parole donne la liberté. Mais bien aimé, parole la baille liberté. Oh bon le texte tête parce qu'il pas sous screen. Attendez ça. Jean chapitre 8 soit le verset 36, virez là dedans, on nous chercher lui. Jean chapitre 8 verset 36, il dit sous connaît parole la vérité vous affranchira, c'est signifie à ba ou liberté. Si vous connaissez la vérité, dans Jean 8, hein, est-ce que vous avez un monde qui joue? Si vous connaissez la vérité apprend nous libre. Si vous connaissez la vérité vous rendra libre. Donc, la raison que vous devez mettre la foi dans la parole là, c'est parce que la parole là, li bay liberté. Liberté. Et moi, je dois souligner attention. Yes. Verset 36 dit, si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Verset 36. Si donc le Fils, vous n'avez pas oublié, que le Christ, c'est la parole personnifiée. On nous toujours songer ça. Si vous connaissez la parole là, eh bien, la prend nous libre. Mais dans même Jean 8 là, dans même Jean 8 là que nous y a, il y a un texte qui dit comme ça, que si, dans même Jean 8 là, si vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Quittez-moi et gardez ça pour vous. Si on nous joigne la fin aussi pour nous capable parler parce que pour nous capable parler ensemble avec mon en ligne donc comme on qui joigne OK le joigne fait nous signe OK l'autre aspect qui est extrêmement important c'est que non seulement la parole éclairée non seulement la parole bail la liberté. Mais la parole délivrée, mes bien-aimés. La parole délivrée. 32. Verset 32. Et il dit, si vous devrez, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, verset 32. Mettez devant, la parole donne la liberté. Si vous connaissez la vérité a libéré vous. Vous entendez ça? Mais ça qui libère les gens, c'est la liberté. Mais ça qui fait les gens pas esclaves, lorsqu'on vient de connaissance de la liberté, lorsqu'on vient de connaissance, pardon, de la vérité, lorsqu'on connaît la vérité. Donc la vérité, est, la parole est claire, ou doit accorder foi à la parole, ou doit mettre la foi chita sur la parole. La parole, c'est la source de la foi. La parole, mais bien aimé, moi, doit mettre la foi à la donne. Donc, la parole est claire. La parole, by liberté. La parole, délivrée, mais bien aimé. La parole délivrée, la parole aussi les libérée.
Eh bien, ça a aussi raison qu'il faut nous croire que la Bible, la parole de Dieu, c'est la source de la foi. Parole là, c'est source foi. Bon, je prends un texte pour vous encore. Non. Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. S'entendez de la parole de Dieu. En nous, dans quelques minutes qui étaient pour nous dans l'IO, en nous partageant ensemble avec vous, maintenant la valeur de la foi, un peu de mots, et puis nous partager ensemble avec vous prochainement. Tenez ça, petit bon Dieu. La Bible, non seulement la foi ou gain source, mais la foi ou gain valeur. Dimanche, là, je dis ça, je dis où, bagay qui est plus important ou posséder, ce n'est pas kaiwa, ce n'est pas machine ou gain. C'est pas content bancou bagay qui pi important ou posséder c'est la foi. Kay ka brûlé mais la foi c'est les mêmes cap continuer avec. La Bible dit toute bagay gen pour passer oui. La Bible dit toute bagay gen pour passer oui mais bien-aimé. La Bible dit toute bagay gen pour passer oui. La foi tellement important Jésus dit mais est-ce que l'aime tourner m'a besoin de la foi sur la terre? Bagay qui est plus important qu'on possède, c'est la foi. En plus de ça, bagay qu'on gagne qui est capable de menacer le diable, toute sorte qui a menacé le diable, c'est la foi. Si ou pas quoi, comment on va faire libérer? Si ou pas quoi, comment on va faire chasser des démons? Si ou pas quoi, comment qui nous va citer lorsque ou entravé? La foi a une source. La foi a une valeur extraordinaire. La valeur de la foi. Donc la foi, c'est bagay qui est plus important qu'on possède. Donc, bon, moi citer ça, prochainement, on va travailler sur vous. Bon, je vous dis, pour qui ça, vous avez besoin de la foi. La foi tellement important et la foi tellement de valeur. Tandis ça, raison qu'il faut besoin de la foi ou pas qu'à alcôte bon Dieu sans la foi. Hébreux chapitre 11. Dit que celui qui s'approche de Dieu, sacrifié, croit que Dieu existe. Voyez-vous? Donc, ou pas capable d'aller côté bon Dieu sans la foi. Mais non, ça n'existe pas. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Non. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Pour me servir bon Dieu, pour me marcher avec bon Dieu, pour me marcher avec bon Dieu, il faut me croire. Donc, la foi est importante pour vous, me dire. De côté, bon côté ou privé ou entravé, l'argent pas capable sauver ou. De côté ou privé, pas de famille qui peut aider ou. Pas de monde qui peut aider ou. Son Jésus, oui, qui peut délivrer ou. Mais il faut avoir la foi dans lui. Il faut reconnaître ce sous-sous. Et c'est là pour comprendre comment la foi est importante. Li gon valeur capitale. M'a dit qu'on t'en banque ou gen valeur capitale. M'a dit la foi ou gon valeur capitale. Et gen moun sa met ti kob la banque, c'est la foi lui. Gen moun sa wèk bal kay pou le rete, c'est la foi lui. Gen moun sa wèk fè la vivre toujours, c'est la foi. Donc la foi li extrêmement important. Deuxième bagay, concernant la valeur de votre foi, c'est que vous avez besoin de la foi pour être sauvé. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par quel moyen? Par le moyen de la foi. Voyez-vous? Par le moyen de la foi. C'est par ce moyen que vous êtes sauvés. La foi est importante. La foi a une valeur parce que vous avez besoin pour sauver. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Croire, c'est la foi. Vous avez besoin de la foi pour être guéri. Ou besoin de la foi pour qu'a guéri? Ou besoin de la foi pour qu'a guéri, me dit ou songez ça, Jésus te dit, femme, non? Lève-toi. Ta foi t'a sauvé. Ou besoin de la foi pour guéri? Pour gagner la foi, pourquoi? Non. Psaume 103 qui dit comme ça que c'est lui qui guérit tout tes maladies. Pour la foi pour quelle? Oh, bon, pas d'argent dernier, obligé de camper là. Tenez ça. Vous avez besoin de la foi pour voir les promesses de Dieu s'accomplir dans votre vie.
Ou besoin la foi pour une promesse bon Dieu accompli. Bon Dieu dit là c'est une mais qu'on quoi? Gen moun bon Dieu te ba un rêve. Gen moun bon Dieu te ba une vision de la vie qui est si à pied de si Dieu veut. gen moun bon Dieu parle avec eux. Gen moun bon Dieu te voyons prédicateur, te voyons un homme de Dieu, une femme de Dieu, vin ba une vision, vin dire un bagay. Mais est-ce qu'on quoi jusqu'à jeudi? Parce que gen moun donc t'es me wrong. Gen moun qui suspend quoi parce que lui après 5 ans bagay ça là toujours ben c'est bon Dieu que t'es parlé vrai. Même d'arrêter jour Abraham t'es fait 25 ans lui-même. D'arrêter jour femme perd 200 t'es fait 12 ans ou 100 cap couler sous lui. N'a pris plusieurs pour montrer que t'es bien la foi. Parce qu'il dit, et la chose arrive. Ou besoin de la foi pour sauver. Ou besoin de la foi pour aller contre bon Dieu. Ou besoin de la foi pour marcher avec bon Dieu. Ou besoin de la foi pour guérir. Ou besoin de la foi pour kawé, promesse bon Dieu accomplie dans la vie. Je dis, dans Hébreux chapitre 11, dit comme ça que c'est par la foi que Abraham, sans savoir où il allait. Il a quitté son pays pour aller côté bon Dieu, va-t-il. Non, Abraham a cité jusqu'à présent parce qu'il était un homme de foi. Mais bien aimé, votre foi a une valeur capitale. La foi a une valeur capitale. La foi a une valeur ou pas doué laguer la foi pour rien au monde. Pas rien qui a comparé la foi. Puis, quoi que je dis à demain, si Dieu vous laguer ça. La foi. La foi. À la cause, il t'a dit de la foi. Mais heureusement, il y a l'autre session qui a venu. Hein? Ou même qui t'a suivi en ligne. C'est pour mon Dieu béni. Ou espérer que l'étude ça te fait du bien. S'il vous plaît, retendez-le et puis partagez-le à autant de amis que vous gagnez. Fortifiez la foi. Faites vous connaître que la foi est une source et la foi est une valeur. Allez et à bientôt.